Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les systèmes ouverts en thermodynamique, ce qui constitue un complément de votre cours de thermodynamique de première année. Donc, si vous ne l'avez pas trop en tête, ça peut être une bonne idée de le revoir rapidement avant de commencer ce cours. Donc, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser aux systèmes ouverts? Ah, tout simplement parce que dans le cadre des machines thermiques, vous avez étudié un certain type de machines thermiques, des machines thermiques cycliques. Donc on peut imaginer par exemple une machine avec des pistons qui va alternativement se compresser, se détendre, etc. Mais la majorité des machines thermiques auxquelles vous allez avoir affaire, par exemple un réfrigérateur, ne vont pas être de ce type-là. Par exemple, quand vous regardez comment fonctionne un réfrigérateur, donc il va récupérer de la chaleur de la source froide et va fournir de la chaleur à la source chaude. Donc là, j'ai choisi la représentation où les directions d'échange thermique sont dans la direction naturelle, et ce qui signifie que pour la source chaude, la chaleur qui est fournie de la machine à la source chaude est moins QC, puisque on a défini les chaleurs et les travaux comme orientés vers la machine. Donc la source chaude donne à la machine thermique plus QC. QC étant négatif. Je referme cette parenthèse. En pratique, comment vont se faire ces échanges? Ces échanges thermiques, ils vont se faire via des échangeurs, dans lequel on va avoir un fluide qui va circuler. Donc, en pratique, on va utiliser un fluide qui va changer d'état. Donc, typiquement, qui va passer de l'état liquide à l'état vapeur au niveau de l'échangeur froid, puisque du coup il doit récupérer de la chaleur de la source froide et qui va passer de l'état vapeur à l'état liquide au niveau de la source chaude, puisqu'il doit fournir de la chaleur à la source chaude. Donc du coup, en sortant de la source froide, notre fluide va être à l'état gazeux. Et donc, on doit le fournir à la source chaude, donc il faut trouver un moyen de le réchauffer entre-temps. Donc cela est effectué via un compresseur. Parce qu'on sait que lorsqu'on compresse un fluide, on va en même temps le chauffer. Donc là, on se retrouve avec un gaz chaud qui arrive dans l'échangeur chaud. Donc il est à ce moment-là liquéfié. Du coup, puisqu'il est plus chaud que l'extérieur, donc il va fournir de la chaleur à l'extérieur en se liquéfiant. Et il va arriver dans un détendeur. Donc là, il n'y a pas besoin de fournir du travail. Dans certaines machines, on pourrait même récupérer du travail à cet endroit-là, mais là, on va considérer que c'est un détendeur passif qui n'échange pas de travail avec son environnement. On pourrait par exemple imaginer des plaques percées de petits trous ou de ce genre de choses. Et donc, par ce processus, le liquide va partiellement se vaporiser et se refroidir. Et donc à ce moment-là, il va être fourni à l'échangeur froid et il va finir de se vaporiser grâce à la chaleur récupérée de la source froide. Donc au niveau de l'échangeur, il est donc a priori plus froid que la source froide. Donc la raison pour laquelle actuellement vous ne pouvez pas étudier ce genre de cycle, c'est tout simplement parce que c'est un cycle en écoulement permanent. C'est-à-dire que là, vous avez du fluide partout dans le cycle en même temps. C'est pas un bloc qui effectue un cycle, c'est vraiment ça coule en permanence. Et donc, si on veut arriver à relier les états de notre fluide aux différentes positions dans le cycle et les chaleurs et travaux reçus, il va falloir apprendre à faire un bilan en système ouvert. Donc, on va d'abord préciser un petit peu le cadre de notre étude en précisant quelques définitions. Tout d'abord, on va s'intéresser à des écoulements qui vont être stationnaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en un point précis de votre écoulement, l'état du fluide ne va pas changer. Par exemple, là, juste après le détendeur, vous allez toujours avoir un mélange liquide plus gaz avec la même proportion de liquide et de gaz, avec la même température, avec la même pression, et ça ne va pas changer au cours du temps. Bien évidemment, si vous suivez un fluide,
Si vous suivez un bloc de fluide, le bloc de fluide il va parcourir tous les états possibles du système, puisqu'il va se déplacer. Mais en un point du circuit, le fluide va toujours avoir le même état. Une deuxième définition, ça va être le débit volumique. Alors en quoi ces définitions sont intéressantes? On imagine bien que le débit, ça va être quelque chose d'important pour caractériser notre système. Puisque plus le débit va être important, plus notre fluide va circuler de manière importante et plus il sera en mesure de transporter vite de la chaleur, du travail, etc. Donc ça va être un paramètre potentiellement important qu'il va falloir savoir gérer. Donc le débit, il peut être mesuré de deux façons. Donc soit le débit volumique, il correspond au volume qui va traverser une section de tuyau, typiquement, par unité de temps. Donc là, si on veut représenter ce qui se passe, on a un fluide qui s'arrête à la section en instant T, un instant T plus DT, ce fluide va être un peu plus loin, et on va noter delta V, le volume qui a traversé finalement cette section pendant le temps DT. On peut aussi mesurer le débit de manière massique. À ce moment-là, on va définir un débit massique qui correspondra à la masse par unité de temps qui a traversé cette section S. Alors, quelques petites propriétés de ces débits. Tout d'abord, le débit massique et le débit volumique sont reliés de façon assez simple par la relation dm égale rho dv. Rho est la masse volumique. La démonstration est très simple. Il suffit d'écrire dm et de faire apparaître le delta V en haut et en bas. Et donc là, on voit apparaître le delta M sur delta V, qui est bien entendu rho, puisque delta M et delta V sont la masse et le volume du même système, infinitésimal. Donc, deuxième propriété, si on a un écoulement stationnaire, à ce moment-là, dm, le débit massique, ne varie pas dans le circuit. Donc ça, c'est déjà un petit peu moins trivial. Pour ça, il faut considérer un système qui est compris entre S1 et S2. Donc, ce système, c'est un système ouvert dont la masse ne va pas varier, puisqu'on est en régime stationnaire, ce qui est entre S1 et S2 a un état qui est fixe, et sa masse ne varie pas. Par contre, c'est un système ouvert. Donc là, si on regarde pendant un temps dt, il va gagner une masse delta M1 qui va rentrer par S1 et il va perdre une masse delta M2 qui va sortir par S2. Et donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la variation de masse dm, qui vaut 0 puisque cette masse m est constante, vaut delta M1 moins delta M2. Et donc qu'elle est nulle. Ce qui du coup, en divisant par dt, montre que le débit massique est conservé dans le circuit. dm1 est égal à dm2. En revanche, le débit volumique, lui, n'est pas constant. Il n'est pas conservé. Donc là, ici, dans cet exemple, on verrait que le débit volumique serait plus important en S2 qu'en S1, puisqu'il y a eu quelque chose entre les deux qui a fait que la masse volumique était plus élevée en S1 qu'en S2. Par exemple, on a un détendeur. Dernière propriété, on va pouvoir relier le débit volumique à la vitesse. Donc c'est d'ailleurs le principal intérêt du débit volumique, parce que là vous me dites, bon, s'il n'est pas conservé, quel est son intérêt? C'est justement qu'on peut le relier assez facilement à la vitesse avec une formule très simple, qui est le débit volumique est égal à la vitesse fois la section, à condition que cette section soit une section du tuyau orthogonale à la vitesse. Donc on va démontrer ça assez vite. Donc là, on est dans le cas où l'écoulement est à vitesse uniforme. Donc là, ici, si on prend notre section et qu'on regarde pendant dt quel est le fluide qui est passé à travers la section, tout simplement, ce fluide, il aura avancé de v dt, la vitesse fois dt, pendant le temps dt. Et donc le fluide qui aura traversé la section S pendant le temps dt va se retrouver dans le volume qui est indiqué sur le schéma. Et ce volume
va correspondre à un volume de base S et de hauteur VDT. Donc du coup, ce volume c'est S fois VDT. Et donc il suffit de diviser par DT pour obtenir la relation. Alors dans le cas général, le débit volumique serait égal à l'intégrale de V scalaire DS. Bon, c'est a priori pas au programme, mais c'est intéressant de voir cette formule parce que ça nous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on parle de flux pour ce genre d'intégrale. Puisque là, ici, simplement, là, quand on calcule le débit volumique, on calcule un flux d'eau, c'est-à-dire quelque chose qui circule à travers la surface S. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, cette intégrale, elle va arriver assez naturellement si on fait le calcul. Hein, c'est pas si difficile que ça. Il suffit de découper notre surface en petits éléments de surface et de tenir compte que cette fois-ci, la vitesse n'est pas forcément orthogonale à ds. Je le fais pas parce que, comme je vous dis, cette formule n'est pas a priori au programme. Mais effectivement, cette intégrale elle arrive naturellement dans ce contexte, et du coup, on a étendu le terme de flux à des cas où ce n'était pas quelque chose de matériel qui circulait à travers la surface, comme le champ B ou le champ E. Passons maintenant au cœur du sujet, qui va être l'adaptation du premier principe au système ouvert. Pour faire la démonstration, nous aurons besoin de savoir gérer des transformations infinitésimales, et donc d'adapter le premier principe usuel en système fermé à des transformations infinitésimales. Ça ne va pas être très difficile. Donc tout premier principe usuel, c'est le suivant, donc c'est la variation de U plus l'énergie mécanique est égale au travail plus la chaleur. Bon, souvent on ignore l'énergie mécanique, mais je préfère le mettre de façon complète, parce qu'il y a des quelques cas où on va essayer de tenir compte de l'énergie mécanique. Et donc si on veut en avoir la version infinitésimale, là tout simplement, il faut transformer le delta en une variation, donc petit d, et les travaux et chaleur sont à ce moment-là élémentaires. Donc comme il ne s'agit pas de variation de grandeur qui serait W ou Q, c'est juste que notre transformation elle-même devient infiniment petite, à ce moment-là, on les note delta W et delta Q, et non pas DU, DEC ou DEP. Donc, une fois qu'on a ce premier principe, on va essayer de l'appliquer à un système fermé. Donc, ce système fermé, ça va être le système qui, au temps t, est compris entre deux surfaces, S1 et S2. Donc, on va supposer qu'au niveau des surfaces S1 et S2, le système est homogène. Par contre, au milieu, il peut se passer des choses éventuellement assez compliquées. C'est-à-dire dans notre système ST, on peut mettre des turbines, on peut mettre des détendeurs, on peut mettre des échangeurs, enfin, on peut mettre des choses intéressantes. Mais par contre, au début et à la fin de notre système ST, on est sur un endroit calme, où on a juste essentiellement un tuyau où le fluide va couler. On va avoir besoin de cette hypothèse un peu plus tard. Donc notre système ST, pendant le temps DT, il va évoluer. Et donc ce système, qui je le rappelle est fermé, va s'étendre vers l'aval, et en quelque sorte, il va partir de l'amont. Donc il va gagner en fait la zone que j'ai marquée en rouge, et perdre la zone que j'ai marquée en vert. Et par ailleurs, pendant cette transformation, il va recevoir un travail et une chaleur élémentaires, delta W, delta Q, puisque c'est une transformation qui dure pendant un temps dt, rappelons-le. Donc, on va caractériser les sous-systèmes vert et rouge, qui vont avoir une pression, une température, et qui vont aussi avoir un volume, une énergie interne, une enthalpie, une masse. Donc, toutes ces grandeurs vont être notées avec un petit delta, sauf la pression et la température, qui sont des grandeurs intensives. Donc, ces grandeurs vont avoir la même valeur que notre système soit petit ou grand. Par contre, toutes les grandeurs extensives appliquées à un système infinitésimal vont prendre un petit delta. On peut par ailleurs remarquer que le débit étant conservé, en fait, le delta M1 et le delta M2 sont identiques. Donc, on va juste noter delta M.
Donc, il nous reste à appliquer notre premier principe au système fermé. Donc, ce premier principe nous dit du égale delta W plus delta Q. Sauf que, il faut bien faire attention que dans le delta W, il n'y a pas que le delta W que j'ai noté ici, qui est le delta W reçu de l'extérieur. Par exemple, ça correspondrait au travail d'une turbine. Donc, ce delta W, c'est vraiment ce qui va être échangé avec l'extérieur du système en écoulement. Il va aussi y avoir le travail des forces de pression. Donc, qui va en quelque sorte être un travail interne au fluide en écoulement. En revanche, on va considérer qu'il n'y a pas d'échange thermique au niveau de ces frontières-là, que les seuls échanges thermiques se font avec l'extérieur, puisque notre système est supposé homogène dans ces zones-là. Donc la température en particulier va être homogène et donc on pourra complètement négliger les échanges thermiques internes au fluide. Donc on va voir comment on calcule les différents termes de cette équation. Tout d'abord, le DU. Donc pour calculer le DU, il faut remarquer que au temps T, notre système il comporte la zone bleue, qu'on va noter SC, et la zone verte. Donc on peut dire que UT c'est U de SC, C c'est pour commun, plus delta U1. Au temps T plus DT, notre système il comporte la zone bleue et la zone rouge. Donc du coup ça va être U de SC plus delta U2. Donc quand on calcule les DU, c'est la différence entre le U de T plus DT et le U de T. On va voir que le U de SC s'annule, puisque, et là ici il faut bien être conscient que c'est là que l'hypothèse stationnaire est importante, puisque on n'a pas d'évolution au cours du temps de SC. Donc du coup, il va nous rester que delta U2 et delta U1. En fait, on pourrait voir ça comme notre système, il va gagner la zone 2 et perdre la zone 1. Ça nous permet de retrouver plus facilement ce DU égale delta U2 moins delta U1. Mais effectivement, derrière, il y a vraiment l'hypothèse que l'écoulement est stationnaire. Donc, on va maintenant pouvoir regarder ce que nous donne le travail des forces de pression. Le delta W, on aurait envie de dire que c'est moins PdV. Donc, sauf que il faut discuter selon qu'on regarde ce qui est en amont et selon qu'on regarde ce qui est en aval. Là, il faut bien les séparer puisque en amont, on est à la pression P1. En aval, on a la pression P2. Donc, si on est en amont, la variation de volume due à la pression P1, ça va être moins delta V1, puisque notre système il est en train de perdre le volume delta V1. Et donc, le travail associé, c'est moins P1 fois moins delta V1. En aval, au contraire, le système est en train de gagner delta V2. Donc, le travail associé, c'est moins P2 delta V2. Donc maintenant, on va pouvoir remplacer DU et delta WP dans l'expression. Donc ce qui nous donne delta U2 moins delta U1 est égal à delta W plus delta Q plus P1 delta V1 moins P2 delta V2. On va réunir tout ce qui est en 1 ou en 2 et on voit apparaître des deltas de U plus PV. Donc en fait, on voit apparaître des enthalpies. Donc on peut simplifier en disant que delta H2 moins delta H1 est égal à delta W plus delta Q. Là on pourrait se dire, très bien, on a notre bilan. Pas tout à fait. Parce que là, ici, le delta H2 et le delta H1, ça correspond à des enthalpies de systèmes qui sont complètement ad hoc. Ce n'est pas des choses qu'on peut mesurer. Ce qu'on peut mesurer, ce sera plutôt des grandeurs qui vont être intensives. Donc typiquement, des grandeurs massiques. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette expression par delta m pour obtenir h2 moins h1 égale petit w plus petit q, donc avec les petits h qui représentent des enthalpies massiques, et les petits w, le travail extérieur massique. Donc là, ici, les deux mots sont importants, hein. Extérieur, parce que on compte que le travail qui est fourni par l'extérieur à
notre système, et massique parce que c'est par unité de masse. Donc là, ici, par unité de masse, en fait, qui va circuler dans le système. Et le petit q, c'est la même chose pour la chaleur. C'est la chaleur massique. Donc, on appelle cette propriété est appelée premier principe industriel. Puisque, effectivement, c'est beaucoup utilisé dans les systèmes industriels en écoulement. On peut en avoir une autre version à l'aide des puissances. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des puissances? Tout simplement, c'est que ceux auxquels on a vraiment accès à l'extérieur, ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement le travail par unité de masse. Là, vous avez une centrale nucléaire, par exemple, ce qui va vous intéresser, c'est assez peu le travail par unité de masse de fluide, quand vous êtes en tout cas à l'extérieur, c'est quelle est la puissance qu'elle va être capable de me fournir. Donc du coup, pour passer de ces travaux massiques aux puissances, qui sont les travaux par unité de temps, il faut multiplier par delta M et diviser par dt. Donc ce qui revient à multiplier par le débit massique. Donc là, on a du coup ce premier principe industriel exprimé à l'aide des puissances. Alors, donc dm, c'est le débit massique. Pm, c'est la puissance mécanique qui est fournie au système. Donc c'est delta W sur dt. Donc là, ici, comme je le disais tout à l'heure, c'est relié au travail massique par dm fois W. Et phi, c'est le flux thermique entrant. Donc on peut voir ça comme une puissance thermique. Et de la même façon, c'est égal à dm fois la chaleur massique. Alors, je l'appelle flux thermique parce que on va utiliser ce terme après lorsqu'on va étudier la conduction thermique. Donc là, ici, je l'appelle flux thermique pour que ça soit cohérent avec ce qu'on va voir dans la suite. Mais on pourrait aussi l'appeler puissance thermique. Alors, on peut avoir une petite variante de ce bilan si on rajoute l'énergie mécanique, donc ce qui était dans le bilan complet que je vous ai donné tout à l'heure. Si on rajoute l'énergie mécanique, tout simplement, ça nous rajoute des termes à chaque fois, donc ils vont juste se propager. Ce qu'on va récupérer à la fin, c'est au lieu de simplement la variation de H, on va récupérer la variation de H plus l'énergie mécanique entre l'entrée et la sortie de notre système. Donc cette énergie mécanique, donc c'est l'énergie cinétique massique plus l'énergie potentielle massique. L'énergie cinétique massique, elle s'exprime très simplement. C'est 1,5 de V carré, puisque c'est l'énergie cinétique sur la masse. L'énergie potentielle massique, elle s'exprime simplement au moins dans le cas de l'énergie potentielle de pesanteur, puisque l'énergie potentielle de pesanteur étant normalement MGZ, en massique ça fait juste GZ. Bon. Vous en aurez normalement assez peu besoin, mais ça peut arriver quand on vous pose la question quand même du rôle de cette énergie mécanique, même si dans la grande majorité des cas, elle va être complètement négligeable par rapport aux variations d'enthalpie. Ok, on va maintenant voir comment est-ce qu'on adapte le second principe en système ouvert. Ça va être nettement plus rapide, puisque en fait, c'est pas très compliqué. Donc, déjà, rappelons le second principe. Le second principe, c'est la variation d'entropie de notre système est égale à l'entropie échangée qui vaut somme des QI sur TI. Donc QI, c'est les chaleurs reçues sur TI, les températures des sources thermiques, plus SC, qui est l'entropie créée, qui est forcément positive. Donc c'est assez naturel la façon dont on passe au second principe infinitésimal. On remplace le delta par un D. Et les entropies échangées et créées deviennent elles aussi infinitésimales, mais elles prennent un petit delta, puisqu'il ne s'agit pas de variation de fonction d'état. Le delta SE, il va s'écrire la somme des delta QI sur TI, et le delta SC va être positif. Donc si on applique maintenant le même raisonnement que pour le premier principe à notre système fermé en déplacement, donc là, ici, on va quand même préciser que notre delta Q vient d'une source thermique à une température T. On pourrait avoir plusieurs sources thermiques et avoir des delta Q différents. Bon, là, on va essayer de se simplifier la vie.
Et le ds de notre système fermé, c'est égal à delta s2 moins delta s1, de la même façon que le du tout à l'heure était égal à delta u2 moins delta u1. Hein, notre système va gagner delta s2, il va perdre delta s1. Et s est toujours une grandeur extensive. Donc, si on applique maintenant le second principe infinitésimal, ça nous donne simplement ds égale à delta q sur t plus delta sc. Comme tout à l'heure, on va considérer que les seuls échanges de chaleur sont avec l'extérieur, puisque le système est homogène au niveau de l'entrée et de la sortie, et donc il n'y a pas d'échange thermique. Le delta sc, quant à lui, existe toujours, hein, il représente l'irréversibilité du système. Donc du coup, en divisant par delta m, on obtient que petit s2 moins petit s1, où s sont, r et s2 sont les entropies massiques, va être égal à petit q, donc la chaleur massique delta q sur delta m sur t, plus entropie créée par unité de masse, donc qui va être ce petit sc qui va être positif. Donc là, on voit que quelque part, il n'y a pas tellement d'adaptation à faire. C'est exactement la même chose que le second principe usuel, excepté qu'on va considérer quelque chose de massique. Donc contrairement finalement au premier principe qui lui doit être modifié, puisque au lieu de faire un bilan sur l'énergie interne, on se retrouve à faire un bilan sur l'enthalpie. Avant de faire un exemple, il me reste à introduire un outil qui va être très utile pour étudier les systèmes ouverts, donc les systèmes en écoulement permanent en particulier. Cet outil, c'est les diagrammes pH. Donc un diagramme pH, c'est un diagramme pression-enthalpie, donc avec la pression en ordonnée visuellement et l'enthalpie en abscisse. Alors pourquoi étudier un écoulement permanent à l'aide de ces diagrammes plutôt qu'un diagramme de Clapeyron? Ben, tout simplement parce que vous avez vu tout à l'heure que l'enthalpie massique était une grandeur qui était importante puisque ces variations étaient reliées aux travaux et aux chaleurs extérieures qu'on fournissait au système. Donc là, si vous avez une transformation de A vers B, vous pouvez tout simplement lire WQQ comme la variation de delta H. Et ça se lit directement sur le diagramme. Comme assez souvent, les étapes des transformations n'impliquent qu'un échange de chaleur ou qu'un échange de travail, eh ben ça rend encore plus facile la lecture. Donc on pourra souvent lire presque directement tous les travaux et chaleurs échangés avec l'extérieur, massique, sur le diagramme. Donc, de quoi est-ce qu'il va avoir l'air ce diagramme? Il va un petit peu ressembler au diagramme de Clapeyron que vous connaissez, mais avec quelques petites différences. On va essayer de regarder à quoi ressemblent les isothermes. Déjà, loin du point critique. Loin du point critique, on pourra considérer que le liquide, pour commencer, est idéal. Donc, dans la zone liquide, H ne dépendra que de T. Donc, ce qui veut dire que ça ne dépend pas de P. Et donc, si la température est constante, H est constant, ce qui nous donne une droite verticale. Une fois qu'on est dans la zone liquide-vapeur, qu'on commence à avoir une ébullition, à ce moment-là, on sait que la température d'ébullition ne dépend que de P. Et donc, du coup, on va rester à la même pression tant que la vaporisation ne sera pas achevée. Et d'ailleurs, l'écart entre les enthalpies de la vapeur et du liquide, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est l'enthalpie de vaporisation. Enthalpie massique de la vapeur saturante, moins enthalpie massique du liquide saturant. Et une fois qu'on a de la vapeur, si on est loin du point critique, à ce moment-là, on a un gaz parfait. Un gaz parfait a la même propriété que le liquide idéal. L'enthalpie ne dépend que de la température. Et donc, on aura une nouvelle fois quelque chose qui sera vertical. Regardons maintenant ce qui se passe avec une deuxième isotherme, une température un peu plus haute. Donc, dans la zone liquide,
on va se retrouver avec une enthalpie un peu plus grande, puisque delta H est égal à C delta T pour un liquide idéal, où C, c'est la capacité calorifique massique. On va avoir une pression qui va également être un petit peu plus grande pour le changement d'état, puisque la température d'ébullition est croissante avec la pression, ou inversement, la pression de vapeur saturante est croissante avec la température, selon le sens dans lequel on regarde. Et on va également avoir une augmentation d'enthalpie pour la phase vapeur, puisque effectivement, on va pouvoir écrire delta H égale à Cp delta T si on a un gaz parfait. Et donc du coup, ça va nous permettre de tracer la courbe de saturation, donc avec la courbe de rosée du côté droit, hein, qui est l'apparition de la première goutte de liquide, et la courbe d'ébullition du côté gauche, qui est l'apparition de la première bulle de vapeur. L'ensemble étant la courbe de saturation, dans laquelle on retrouve le point critique, qui correspond au point de pression maximale, où on a une transition de phase. D'après, vous aurez des diagrammes pH avec beaucoup plus d'informations que ça. Je vais vous en donner un exemple. Donc là, ici, donc on a un diagramme qui a été généré par le logiciel ThermOptime. Donc j'ai pris le diagramme de l'eau. Et donc là, ici, on a tracé les isothermes et les courbes de saturation. Alors, on peut déjà remarquer quelques petites choses. Donc lorsqu'on se rapproche du point critique, forcément, la courbe va s'arrondir et on voit que, en particulier, l'enthalpie de la vapeur saturante ne va plus être croissante avec la température lorsqu'on va s'approcher du point critique. Donc voilà, donc ça nous donne effectivement complètement la forme de notre courbe de saturation. Une deuxième chose qu'il est intéressant de remarquer, c'est que contrairement au diagramme de Clapeyron où le volume massique de la vapeur et le volume massique du liquide étaient sur des ordres de grandeur complètement différents, à température ambiante on a un facteur 1000, là on reste plus ou moins sur le même ordre de grandeur pour l'enthalpie. Donc ça veut dire que l'enthalpie, elle peut sans problème être tracée en échelle linéaire. En revanche, la pression, elle, va souvent être tracée en échelle logarithmique, donc c'est le cas ici, hein, puisque vous voyez que on a 2, 4, 8, 16, 32, c'est pas une échelle linéaire. Donc, on va rajouter pas mal d'informations en général à ces diagrammes pour pouvoir en fait étudier de façon exacte n'importe quel cycle. Hein, puisque on a souvent des cycles où on va quand même travailler pas si loin que ça du point critique. Et donc, du coup, on ne peut pas du tout se contenter des approximations de type gaz parfait ou phase condensée idéale. Et donc, pour ça, on a vraiment besoin d'avoir un maximum d'informations sur ce genre de diagramme pour pouvoir vraiment l'exploiter. Donc, des informations qu'on va avoir, ça va être des courbes isentropiques, donc qui correspondent à des S constants. Alors, souvent, vous aurez indiqué sur ces courbes les valeurs des entropies. Donc, bon, dans ce cas-là, en fait, on a juste la liste des entropies qui correspondent aux courbes. Et pour savoir ce qui correspond à quoi, en fait, grosso modo, l'entropie, elle va croître avec l'enthalpie. Donc, du coup, ça permet de classer ces courbes isentropiques. Donc, ces courbes seront en particulier utiles soit quand vous aurez une transformation qui va être réversible, soit lorsque vous aurez justement une source d'irréversibilité. Donc là, ça vous permettra de dire qu'on doit avoir une création d'entropie et donc de vous placer par rapport à ces courbes isentropiques. Une dernière chose qu'on peut rajouter, c'est des courbes isotitres. Donc isotitre, c'est uniquement dans la zone
de coexistence liquide-vapeur, et c'est des courbes qui correspondent à une certaine fraction de vapeur. Donc quand on ne précise pas en général dans ce genre de système, x c'est la fraction de vapeur. Donc vous pouvez remarquer qu'elles se répartissent de façon très régulière entre la courbe d'ébullition et la courbe de rosée. Ce n'est absolument pas un hasard. En effet, on peut appliquer à notre diagramme pH le théorème des moments que vous avez vu l'an dernier et dont vous avez vu la représentation graphique sur le diagramme de Clapeyron. Donc le théorème des moments, il nous dit que la fraction de vapeur est égale à H moins HL sur HG moins HL. Alors vous l'avez sans doute vu avec les volumes l'an dernier, mais la démonstration est exactement la même en remplaçant les volumes par les enthalpies. Et donc au niveau graphique, l'enthalpie du liquide, elle est représentée par L, puisque le liquide en équilibre avec sa vapeur, c'est forcément du liquide saturant. Donc il est sur la courbe d'ébullition. Et l'enthalpie de la vapeur est représentée par le point V sur le diagramme. Puisque, de la même façon, la vapeur en équilibre avec son liquide, c'est de la vapeur saturante nécessairement. Et donc notre système qui a une enthalpie H, qui va être au point M, donc va forcément avoir une fraction de vapeur qui va être égale à la distance LM sur la distance LV, puisque ces distances LM correspondent respectivement à la variation de H entre L et M et L et V. Et donc du coup, là ici, si vous voulez avoir l'isotitre qui est avec 90% de vapeur, bah, elle va tout le temps être à 90% du segment LV. Donc ce qu'on peut revoir sur ce diagramme. Celle à 90%, c'est la courbe isotitre qui est la plus à droite. Ces diagrammes vont nous permettre, de façon beaucoup plus simple que sur un diagramme de Clapeyron, de représenter des cycles. Donc on va le faire sur l'exemple d'un cycle réfrigérant qu'on a vu tout à l'heure en introduction. Donc je remets le schéma du cycle et on va prendre un liquide frigorifique. Donc ils ont en général des sigles comme celui-ci. Donc là c'est un exemple de liquide frigorifique qui s'appelle le R134A. Et donc on va essayer de tracer le cycle sur ce diagramme. Donc on va partir du point A qui correspond à la vapeur après l'échangeur. Donc cette vapeur après l'échangeur, c'est de la vapeur qu'on va considérer comme saturante. On va considérer que la vapeur n'a pas été réchauffée encore plus après l'ébullition. Et donc à un niveau qui est assez froid. Donc là, on va prendre une des premières isothermes. Donc, ce qui correspondra ici à l'isotherme à moins 13 degrés. Donc là, on est bien suffisamment froid pour refroidir l'intérieur du frigo. Donc, on va avoir une transformation du point A au point B qui correspond à ce qu'on a de l'autre côté. Donc là, on va avoir une compression pour obtenir du gaz chaud. Alors, quelles hypothèses on va pouvoir faire sur cette compression? Donc, on va pouvoir supposer qu'elle est adiabatique, puisque là, on n'a pas d'échange de chaleur. On n'est pas à côté des thermostats, donc il n'y a pas spécialement de raison d'avoir beaucoup d'échange de chaleur. Et on va pouvoir la supposer réversible. Donc, réversible en particulier mécaniquement. Donc ça veut dire que, grosso modo, les déplacements ne vont pas être trop rapides. C'est pas du tout illégitime sur un réfrigérateur. Mais effectivement, après, si jamais on avait quelque chose qui était irréversible, ben simplement, on aurait une création d'entropie. Donc, il faudrait adapter le schéma en conséquence. Donc, si on a une transformation adiabatique irréversible, ça signifie que la transformation est isentropique, puisqu'il n'y a ni entropie échangée, en raison du fait que la transformation est adiabatique, ni entropie créée, puisque la transformation est réversible. Donc si elle est isentropique, ça veut dire qu'on peut suivre une des courbes isentropiques rouges. Alors, notre point n'est pas exactement sur une des courbes qui sont tracées, mais on va essayer de continuer à se placer entre les deux courbes qui l'entourent, hein,
Là, ici, ça nous guide suffisamment pour qu'on puisse tracer notre isentropique maison. Et donc, on va s'arrêter en gros à la pression qui va être dans la zone chaude. Donc, le travail qu'il a fallu fournir apparaît directement sur le diagramme, puisque ici, on a HB-HA qui vaut juste W, vu que la transformation est adiabatique. Donc maintenant, on va faire la transformation de B en C, où C est le point qui est de l'autre côté de l'échangeur, donc à savoir le point où on a du liquide chaud. Donc on peut raisonnablement supposer que cette transformation est isobare, puisque là on n'a aucun compresseur, aucun étendeur. Bon, c'est évidemment pas parfaitement le cas en pratique, puisqu'il y a toujours un petit peu de frottement sur les bords du tuyau, mais c'est pas une mauvaise approximation. Et donc, si ce refroidissement est bien isobare, donc on va tracer une courbe horizontale, puisque on est à P égale constante, et jusqu'à liquéfaction totale de notre fluide. Donc là, on arrive du coup au point C. Donc là, on suppose qu'une fois qu'on a liquéfaction totale, on n'a pas de refroidissement supplémentaire de notre système. Donc une petite remarque, hein, c'est que au début, on est à une température un tout petit peu plus élevée que la température de l'équilibre liquide-vapeur. En fait, on est sur de la vapeur sèche, on n'est plus sur la vapeur saturante au point B. Et ensuite, on va se retrouver très rapidement sur la zone d'équilibre liquide-vapeur. Donc si on regarde sur quel isotherme on se trouve, là on serait sur une isotherme qui serait à 47 degrés, ce qui est largement suffisant pour pouvoir donner de la chaleur à l'extérieur. Donc ça paraît pas irréaliste. Donc là ici, cette transformation B à C nous permet de lire directement la chaleur QC reçue par unité de masse par notre système. Cette chaleur QC est bien négative. Donc là, ça correspond bien à notre machine frigorifique. Ensuite, notre détendeur. Alors, donc là, on va passer du point C au point D, où je vous ai dit qu'on avait un mélange liquide-vapeur, donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est d'ailleurs obligatoire. Donc là, sur notre détendeur, on a considéré un détendeur sans pièces mobiles. Alors, on pourrait éventuellement avoir un détendeur avec une turbine qui nous permettrait de récupérer un petit peu d'énergie. Ça permettrait d'améliorer un tout petit peu le rendement du système, mais par contre, ça le rendrait plus vulnérable aux pannes et plus cher. Donc, si on n'a pas de pièce mobile comme ce détendeur ici, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail qui est échangé avec l'extérieur. Pas de pièce mobile, c'est pas de travail échangé. Mais du coup, c'est plus durable. Donc, là ici, on considère qu'on n'a pas de travail échangé. On considère aussi qu'on n'a pas de chaleur échangée, pour la même raison que sur le compresseur. C'est qu'on n'est pas à côté d'une source froide ou d'une source chaude. Donc là, on a ce qu'on appelle une détente de Joule Thomson ou de Joule Kelvin, puisque M. Thomson a été anobli et est devenu Lord Kelvin à la fin de sa vie. Et donc, il y a pour propriété que le travail reçu de l'extérieur est nul, la chaleur reçue de l'extérieur est nulle. Donc, le bilan nous fait simplement HD-HC est égal à 0. Donc ça, sur notre diagramme HP, ça nous fait une droite verticale. Donc on va arrêter à la même pression que le point A, puisque on va supposer que notre dernière étape est aussi isobare. Et donc là, on voit qu'effectivement, si on veut refroidir en partant du point C, on va forcément vaporiser une partie du liquide. Ça serait d'ailleurs même le cas si on faisait une transformation isentropique, vu la tête des isentropiques à cet endroit-là. On voit que ça ne serait pas très très différent, en fait. Donc si on fait le bilan de la dernière transformation, donc D donne A, donc qui est un réchauffement isobare, donc on voit qu'on voit apparaître la chaleur QF, donc la chaleur par unité de masse, qui est fournie de la source froide à notre système. Alors,
On peut remarquer que du coup, avec ce diagramme, on peut avoir accès assez facilement à des quantités comme l'efficacité. Puisque que ça soit des grandeurs massiques ou des grandeurs normales, elles se calculent exactement de la même manière. Donc là, ici, efficacité, ça serait QF sur W. Donc on voit qu'elle est nettement supérieure à 1. Là, ici, elle serait de l'ordre de 3-4, ce qui est effectivement ce qu'on obtient usuellement pour un réfrigérateur domestique. Voilà, donc du coup, je vous ai donné les principaux outils qui vous permettront d'étudier les machines en écoulement permanent. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.